Direction le bassin parisien. Aujourd'hui, nous partons à Paris. Bienvenue sur TV5 Monde pour cette émission qui, vous le savez, est consacrée à la gastronomie et à l'art de vivre. Alors l'art de vivre, c'est à la fois une culture, un patrimoine, une histoire. Ce sont aussi des hommes et des femmes, des passionnés qui nous ont ouvert leurs portes et puis qui vont nous révéler leurs secrets de fabrication. Alors la culture, le patrimoine, c'est pas seulement du passé, c'est aussi parfois des choses extrêmement modernes. Aujourd'hui justement, nous allons vous parler de cuisine et de gastronomie moléculaire. Alors je sais, quand on dit cuisine moléculaire, on a l'impression que c'est deux choses qui vont pas très bien ensemble. D'un côté la cuisine, de l'autre la chimie. Et bien, quand vous faites cuire un œuf ou quand vous faites monter une mayonnaise, vous faites à la fois de la cuisine et de la chimie. On va en avoir la preuve tout à l'heure avec Christelle Gendre, qui va nous recevoir chez elle et nous préparer quelques plats tout à fait étonnants. Je vous avais promis de parler de cuisine moléculaire. On va parler de cuisine moléculaire. Je suis dans la cuisine de Christelle Gendre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un restaurant qui est situé à Paris, tout près du Panthéon. Hein. Et alors, vous faites dans votre restaurant des plats classiques, mais aussi des plats de cuisine moléculaire. Alors, c'est quoi la cuisine moléculaire ? Simplement, c'est la mise en œuvre, en fait, des nouveaux ingrédients, méthodes et outils en cuisine. Nouveaux ingrédients, c'est-à-dire que c'est quoi, des produits qu'on ne connaît pas ? Pas forcément, mais qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en cuisine. Est-ce qu'on peut faire des choses avec des ingrédients classiques, des produits classiques, et qui sont de la cuisine moléculaire ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va voir avec les œufs à 68 degrés. Les œufs à 68 degrés. Vous avez un jaune d'œuf qu'on appelle aussi pâte à modeler. On peut en faire ce qu'on veut. Donc, si vous voulez, par exemple, vous voyez, on peut le modeler comme on veut. Je peux ? Oui. C'est génial. C'est un œuf, ça. C'est un œuf. Ah, ça, c'est bon. Alors, je peux faire tout, je peux les tirer, Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé la texture de l'œuf, donc on change le goût. C'est très intéressant. Pour les faire, c'est très simple. Vous mettez quoi ? Vous les mettez dans le four, à 68 degrés. 68 degrés pendant 1h30. Mm-hmm. Hop. Ah oui, il y a le blanc aussi. Ouais. Alors, vous enlevez le blanc ? Oui, dans cette recette, oui. Il faut savoir que le blanc d'œuf commence à coaguler, les protéines commencent à coaguler à 61 degrés. Mmh. Et le jaune à partir de 66 degrés uniquement. Puis après, on peut jouer avec, en fonction du résultat que vous voulez avoir. Avec la température. Vous faites des mouillettes après? Oui, on fait des mouillettes. On va mettre un petit velouté de champignons de Paris. Bah tiens, allons-y. Et puis on aura juste à tremper les mouillettes. Alors là, on a pris des produits qui sont à peu près des produits habituels, hein, un œuf, du velouté de champignons, des mouillettes, mais ça fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Je rajoute un petit peu d'huile de noisette. Et voilà le travail, comme on dit. Hein. Vous voulez faire le vôtre ? Regarde, je vous laisse faire. Ah oui, d'accord, je l'étale moi-même. Hein. Ouais. Hop. Voilà, le mien est un peu moins joli, mais je suis encore en apprentissage. Hein. Donc, je vais goûter un petit peu. Hein. Oui. Alors, comment on fait ? On trempe dans c'est la crème de champignons, c'est ça ? Oui, c'est un petit peu le de champignons. Oh, c'est un délice. Donc, œufs, pain, crème de champignons, c'est des produits assez classiques. Est-ce qu'il y a, dans la cuisine moléculaire, des choses avec des produits un peu plus révolutionnaires ? On voit souvent des trucs qui montent, là, qui descendent, de l'azote, je ne sais pas quoi. Vous avez des choses comme ça ? Oui, on a de l'azote. Avec quoi ? Avec un sablé à la farine torréfiée, du chocolat chantilly. Ça, là ? Oui, ça. Ah oui, il faut que je mette ça. Parce que là, danger, non ? Alors là... Ça c'est quoi ? C'est l'azote liquide, ça ? C'est l'azote liquide. Là, c'est à moins 196 degrés. Ah la vache ! On peut mettre le doigt, non ? Non, alors on peut pas mettre le doigt. Alors on va manipuler ça ? Oui, d'abord, on va d'abord foisonner le chocolat chantilly. Hop ! Vous allez foisonner un petit peu ? Oui, mais je foisonne moi pendant ce temps. J'appuie où là ? Oui. Foisonner, c'est comme ça ? Oui, c'est très bien. Ça suffit ? Oui. On va récupérer l'écume du chocolat. L'écume du chocolat. Puis on le verse comme ça. Ah, dans l'azote. Essayez de récupérer, vous voyez, uniquement l'écume. D'accord. En surface. C'est bon ? Non, j'ai mis après un peu de... Ouais, je vais vous garder avec moi en stage. Hop ! Oh bah... J'ai trop mis. Non, c'est pas ça, c'est qu'après il faut le poser délicatement, il faut poser l'écume en même temps, tout en même temps. Mais remarquez, ça va être très mignon aussi, mais ça va être des toutes petites roches. Alors on sort ça, c'est incroyable. Donc c'est quoi ? C'est cuit ? Alors, non, c'est pas cuit, c'est refroidi. D'ailleurs, c'est très éphémère. Hein. L'azote passe juste à travers. Donc si on le laisse comme ça quelques instants, ça va retenir à l'état liquide. Et là, vous les posez sur... Ah, génial ! Ça, c'est le mien qui est un peu... Ça, c'est la vôtre. Ah bon ? Elle est super belle. Et vous allez voir, c'est vraiment de l'air en chocolat. Pareil, une sensation qu'on n'a pas l'habitude. C'est très aérien, en fait. Ouais, c'est très aérien.
Donc là, c'est bon, on peut... Ouais. Hein, ça a repris. Ouais. Je goûte comme ça? Ouais. Oh. On le sent, c'est incroyable. Ouais. Quoi, ça, hein? Oh la vache. Je peux... Ah bah oui. Alors c'est vrai que c'est... On dit comment? Aérien, quoi. Ah oui, tout à fait, c'est de l'air. On a l'impression d'avoir un caillou, quelque chose de dur. On dit ça va être lourd. Hop, et non, hop, c'est ça, que c'est, de l'air. Ça s'efface. Ah, c'est génial. Et ça, c'est l'action donc de ouais, l'azote liquide. De l'azote liquide. Nous parlons toujours de cuisine moléculaire. Et alors là, vous allez essayer de revisiter des plats traditionnels grâce à la technique de la cuisine moléculaire, c'est ça? C'est on ça. A mis encore les lunettes parce qu'il y a encore de l'azote liquide. Il y a encore liquide, de l'azote. Hein. On va faire une choucroute au caramel au beurre salé. Une choucroute de dessert, quoi. Une choucroute en dessert, oui. C'est, ah, c'est pas mal, c'est ça. Pour mettre en avant. L'idée que la choucroute, c'est un légume. Et c'est oui. Pas forcément... C'est pas forcément que des saucisses et voilà. Des machins. C'est voilà, d'abord, c'est d'abord le chou, hein, voilà, la choucroute. C'est ça. Je vais vous montrer. Montrez-moi. Alors, toujours l'azote liquide. Alors là-dedans, c'est une base de crème anglaise à la choucroute. On a fait infuser de la choucroute et puis des épices. Je verse un petit là, peu d'azote liquide. Là, je suis en train de perdre ma main. Non, pas du tout. Ça fume, évidemment. Alors, toujours, hein, moins 180 degrés, c'est ça hein? Moins 196 degrés. Vous voyez moins 196 degrés, on mélange bien sur les bords. Vous voyez, ça commence à ça solidifier. Ça commence à solidifier, voilà. Oui, c'est comme une glace, hein, ouais. Dans l'aspect, en tout cas. Hein. Ouais. Ça paraîtra un peu plus moelleux. D'accord. En bouche. Hop, un petit coup de caramel au beurre salé. Et la choucroute, on en fait quoi, là? Bon, on va la mettre par-dessus. Par-dessus? C'est génial. C'est la première fois que vous voyez une choucroute comme ça, quand même. Et on va rajouter par-dessus un petit cristal de vent. Alors, les petites meringues. Hop, et on va prendre un petit coup de foie. Celle-là, on prendra. Ah, tout de suite, vous pouvez les toucher. Alors, justement, là, il faut faire attention. Vous voyez, ça picote un petit peu en dessous. Regardez. Ah ben non, je ne vais pas me brûler pour vous faire plaisir. Non, vous n'allez pas vous brûler. Ben, ah oui, ça picote. Ah. Ça picote, ah, non, ça picote un petit peu. Ça picote, oui, ça picote. Et attention. Voilà, d'abord vous pouvez fumer sans vous faire mal. Je peux goûter, je peux y aller. La choucroute en dessert. C'est génial. Oh, c'est sublime. Ça, c'est superbe. Une petite fourchette pour la choucroute. Écoutez, je crois que je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est bravo. Et bien maintenant, on va repasser quand même à quelque chose qui est encore plus traditionnel, c'est le calisson d'Aix. Alors, quand on dit calisson d'Aix, on a l'impression qu'on peut en faire partout. Pas du tout, il n'y a que 7 maisons en France qui ont le droit de faire ce qu'on appelle des calissons d'Aix. Et bien, on a été visiter l'une d'entre elles, c'est à Puy-Ricard, c'est à côté d'Aix, puisque c'est le calisson d'Aix, c'est chez les frères L'Hospital. Christelle Gendre, merci encore et encore bravo. Voilà, cette émission consacrée à la cuisine moléculaire est désormais terminée. À très bientôt pour un nouveau voyage gastronomie et art de vivre. Salut !